Hello tout le monde, aujourd'hui c'est recette et ça sera une recette pour une idée de plat pour le mois de Ramadan ou bien tout simplement pour le repas du soir. Regardez, c'est des poivrons rouges farcis. Vous pouvez prendre les poivrons verts si vous n'avez pas les rouges, accompagnés de riz et de boulettes de viande hachée. Une recette très facile et simple à exécuter, mais surtout un vrai délice. Une idée de repas si vous êtes à court d'idées pendant ce mois sacré du Ramadan. Ou bien dolma felfla, simplement l'associer comme nous on fait nramso, ou bien accompagné de riz comme vous le souhaitez. Besoin de poivrons rouges au préalable lavés. Je vous ai déjà partagé une vidéo où je préparais mes légumes, je les lavais et tout, donc c'est très facile pour moi de les utiliser. Dans la semaine, dans les jours qui suivent, je les ai lavés. J'ai enlevé ici, j'ai épépiné mes poivrons, j'ai enlevé tout ce qui est pépins. Donc là, j'ai 5 jolis poivrons rouges. Vous pouvez les remplacer par des poivrons verts aussi. J'ai pris 500 g de viande hachée. Les quantités, vous les adaptez en fonction de votre famille. Ici, vous aurez besoin de 2 tomates fraîches hachées. Moi, j'ai utilisé, vous savez, les boîtes là toutes prêtes. Avec la pulpe fine de tomate. Je vous la montre si jamais vous habitez en France, vous pouvez utiliser celle-ci. Pour la farce, la viande hachée, vous aurez besoin de chapelure, de persil, on aura besoin aussi d'ail, ici, que moi j'ai prêt au congélateur. Je vous ai déjà partagé aussi la recette de comment préparer l'ail pour toute l'année. Vraiment, c'est un gagne de temps incroyable. Je vous laisserai ces vidéos en barre de description. Vous aurez besoin de concentré de tomates. Moi ici, j'ai un mélange entre concentré de tomates et purée de poivrons rouges que j'achète tout près chez les Turcs. Vous aurez besoin d'un œuf entier et des épices. Coriandre en poudre. Si vous avez de la coriandre fraîche, c'est encore mieux. Du paprika. Ici, flifla, donc en petites feuilles que j'achète toujours chez les Turcs. De sel, de poivre noir, de paprika en poudre, de curcuma. Et bien sûr, vous aurez besoin d'un peu de sucre pour votre sauce tomate que je mets souvent pour enlever l'acidité et de l'huile. Nous allons commencer par préparer la farce de notre dolma, à savoir la viande hachée, la chapelure, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de chapelure. Vous mettez aussi du persil haché, j'avais pas beaucoup ce jour-là, donc je vais quand même réserver un petit peu pour la décoration. Vous prenez la moitié de l'ail ici, l'équivalent de 3 gousses d'ail, le sel, cuillère à café de sel, du poivre noir, et l'équivalent d'une cuillère à café de poivre noir, de paprika. En fait, c'est les mêmes épices que je vais utiliser pour ma sauce. Je vais rajouter les flifla, donc les feuilles de paprika. Il faut faire attention, des fois c'est piquant, donc je mets un petit peu. Je rajoute de la coriandre en poudre. Si vous avez fraîche, c'est possible. Comme c'est une sauce rouge, j'aime bien le mélange coriandre et persil. Donc là, j'ai mis 2 cuillères à café. Vous rajoutez votre œuf. Voilà. Ensuite, vous prenez les poivrons et vous venez les farcir. Cette recette, c'est un pur délice. C'est l'une de mes recettes préférées. J'ai préféré garder les poivrons comme ça, longs en entier. Si vous souhaitez, vous pouvez les couper comme ça en deux, par exemple. Là, je remplis bien au fond. Puis c'est pas grave si au fond on n'a pas un peu de viande. Déjà que le poivron là il est assez long. Je continue. Une petite remarque, vous pouvez mettre un peu de sel, un peu de poivre noir à l'intérieur si vous souhaitez. Moi je ne sale pas plus que ça, vu que déjà le poivron rouge sans rien, c'est un pur délice. Si c'est du poivron vert, n'hésitez pas à mettre un peu de sel, un peu de poivre noir. Ici, faut bien bomber l'extérieur. Voilà.
et le reste, je vais les façonner en boulettes. J'ai fini de façonner les boulettes de viande hachée. Voilà. Très facile à exécuter, rapide et pratique aussi, dans une sauteuse. J'ai mis l'huile à chauffer. Comme je vous ai dit, vous mettez une bonne quantité d'huile parce qu'au début, on va faire frire et dorer un peu nos poivrons. Donc la première étape ici, c'est que je vais faire frire un peu mes poivrons dans l'huile, leur donner une belle couleur. Pour éviter les éclaboussures, vous pouvez mettre un couvercle comme ceci pour être sûr de ne pas en avoir partout. Voilà. Là, j'ai diminué un peu le feu pour pouvoir retourner tranquillement mes poivrons. Voilà, je remets le couvercle. Je frie les poivrons de tous les côtés. Je leur donne une belle couleur. Je les fais bien bien frire de tous les côtés. C'est important. Une fois frits, je les enlève. Je les réserve dans une assiette. Comme ceci. Regardez bien la couleur. Et puis, ça permet aussi d'enlever la peau si vous le souhaitez facilement. Elle se détache. Ah, c'est bon, regardez, mes poivrons sont bien, bien, bien frits, bien coloriés. Dès que vous remarquez que la peau, elle commence à s'enlever. Et donc là, c'est une astuce pour ceux qui ne souhaitent pas garder la peau des poivrons. Ben, là, c'est le moment d'enlever la peau, regardez. Mais moi, personnellement, je vous avoue, je garde la peau, vu que c'est juste pour moi et ma famille. Et bien, je vais garder la peau, elle ne me dérange pas, au contraire. Regardez, elle s'enlève facilement. Cette belle couleur, regardez ici la viande hachée aussi, je vous la montre. Très jolie, vraiment très jolie couleur, elle n'a pas noirci. Et ça, c'est très important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je la réserve de côté. Je vais la laisser. Vous pouvez mettre du papier aluminium ou juste un petit couvercle. Si vous voulez enlever la peau, ça sera plus simple pour vous. Donc voilà, j'ai enlevé l'huile qui était dans ma sauteuse. Et la petite astuce, parce que je ne voudrais pas enlever les sucs qu'il y a au fond de ma sauteuse. Ce que je vais faire, je vais juste avec un papier absorbant tout propre, tout neuf, regardez, venir essuyer et racler un peu. Vous savez, là, ce qui va noircir un peu ma sauce, de cramer ça en fait. Ça, je l'enlève. C'est une petite astuce. Ça évite de laver votre sauteuse et d'enlever qui manque en l'eau chez nous, le benna. Voilà. Donc, j'ai juste enlevé tout ce qu'il y a ici noirci. Donc, je vais mettre mes deux tomates fraîches hachées. Je rajoute de l'ail haché, l'équivalent de 3 à 4 gousses d'ail. Le mélange tomate concentrée purée de poivron que j'achète chez les Turcs, une cuillère à soupe. Si vous mettez juste du concentré de tomate, mettez la moitié de la cuillère à soupe. Voilà. Une cuillère à café de sucre ou bien un morceau de sucre. C'est pour enlever l'acidité. C'est une petite astuce que j'utilise pour mes sauces tomates. Je voulais juste vous montrer une chose importante. Regardez la différence entre ma cuillère des épices et celle de la cuillère à café. Donc c'est pour vous donner une idée. Mettre du sel. Rajoute un petit peu de sel, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre noir. Une cuillère à café de curcuma. Une cuillère à café de coriandre, vraiment un petit peu. Une cuillère à café de paprika. Regardez, on va bien faire revenir le tout. Un peu de flifla, les feuilles de poivron rouge. Pour récupérer un peu, là c'est de l'eau bouillante que je viens mettre. Et ensuite je viens placer mes poivrons. Je récupère le jus du poivron ici, la petite sauce délicieuse. Je vais placer mes boulettes de viande hachée.
Je mets le couvercle et je laisse cuire le temps que la viande hachée soit bien cuite et la sauce bien réduite. 15 minutes après, mon délicieux plat est prêt. Regardez, j'éteins le feu ici. La viande hachée, elle est bien cuite. Les poivrons, pareil, bien cuits. Le goût de friture, il y est aussi. Juste à côté, je suis en train de faire bouillir du riz, tout simplement avec du sel. Je l'ai juste au préalable trempé dans l'eau, 30 minutes. Je vais mettre tout ça sur un plat de présentation et je vous montre le résultat final. Et en plus de ça, c'est une recette facile à exécuter qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Juste un peu de viande hachée, du poivron rouge et du riz si vous le souhaitez. Pour décorer, bien sûr, on met un peu de persil haché. Ça peut être une idée de plat pendant le mois sacré du Ramadan, une idée d'un plat léger accompagné de riz qui ne demande pas beaucoup de temps en cuisine, vraiment rapide à exécuter et en même temps délicieux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos recettes ou d'autres vidéos bons plans. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si bien sûr mon contenu et mon travail vous plaît. Je vous dis à très bientôt.